Good morning, allez, Iden. L'étude sera aujourd'hui l'Isroud Rivka, Bat Martin, Myriam et son mari Yochai Netanel Ben Clara, les Ben Zahar Zera Shalkayama Bekarov. Et nous étudions Baba Messia Perek Gimel Mishna Zain, Amafkid Perot Etzel Chavero, Areze Yotzilo Chesronot, La Chitin Vela Orez Tisha Chatzae Kabin, l'accord. La Seorim Vela Dochan, Tisha Kabin Lakor, La Kusmin Ulzera Pishtan, Shalosh Sein Lakor, Hakol Lefi Amida, Hakol Lefi Azman, Amar Rabbi Yochanan Ben Nuri, Vechima Echpat Laen Lachbarin, Alo Ochlin Ben Meharbe Ben Mikim'a, Ela Eno Motzilo Chesronot, Ela Lekor Echad Bilvad. Rabbi Yehuda Omer, Imaita Midar Meruba, Eno motzilo chesronot mipenei shemotirot. Avant d'expliquer notre Mishnah, on va d'abord introduire une notion simple. Si vous me donnez des fruits à garder, d'ailleurs on va parler de céréales. Dans notre Mishnah, on parle essentiellement de céréales, d'accord? D'ailleurs, vous avez la preuve de ce que je vous avais dit hier. Quand il y a marqué perot dans la Gemara, on parle souvent de céréales. On appelle ça aussi des perot, des fruits. D'accord? Donc là, on va prendre un cas où vous m'avez donné des céréales. Et bien évidemment, les céréales, elles peuvent soit diminuer de volume, soit grossir de volume, pour des tas de raisons. D'abord, parce qu'il peut y avoir des fourmis ou des souris qui vont venir en manger, premièrement. Deuxièmement, parfois des coups de vent qui viennent et qui emportent. À part ça, en plus, tout simplement, des fois il fait chaud et les céréales sèchent et rétrécissent, donc diminuent de volume. Et des fois, il fait humide, elles ont tendance à, au contraire, un petit peu grossir et à gonfler. D'accord? Tout ça, c'est des causes naturelles qui font que le volume varie. Maintenant, une donnée de base évidente. Vous me donnez à garder, je sais pas moi, on va prendre 10 kilos de grains de blé. Je les prends, je les mets dans un endroit, je ne faute pas, je ne faillis pas à mon devoir de les garder, je les garde normalement. Vous revenez après 2 semaines, 1 an, ce que vous voulez, vous venez les récupérer et il s'avère que votre volume il a diminué. On retrouve ça à un tout petit pavé tout bête, tout minable quoi. Je vous rends, j'ai fait aucune faute, j'ai pas manqué à ma shmira. Vous récupérez ce que vous avez, d'accord? Notion évidente, il n'y a rien à discuter, c'est bien sûr, c'est clair. Maintenant, notre Mishnah va parler d'un cas un petit peu différent et original. D'abord, avant d'arriver au cas de la Mishnah, un autre cas maintenant, on va s'avancer vers la Mishnah, bien sûr. Cette fois-ci, on va prendre le cas où vous m'avez donné à garder 10 kilos de céréales et je les ai mis avec mes 100 kilos de céréales. Je les ai mélangés en même temps, d'accord? Et puis, donc maintenant, j'ai 110 kilos. Et quand vous revenez un an après pour récupérer vos 10 kilos, j'ouvre ma grange et il s'avère que mes 110 kilos sont devenus des 55 kilos. Ça a diminué tellement que c'est devenu maintenant un volume de 55 kilos, d'accord? Donc la moitié de ce qu'il y avait. Combien je dois vous rendre? Est-ce que je dois vous rendre 10 ou je dois vous rendre 5? Réponse, bien évidemment, 5. Si les 110 sont devenus 55, donc il y a eu une perte de 50%, donc les 10 que vous avez déposés, vous récupérez la moitié 5. Ça, tout ça, c'est évident. Notre Mishnah, enfin on y arrive. Notre Mishnah parle du cas où on ne sait même pas est-ce que ça a diminué, mais on n'a aucun moyen d'évaluer est-ce que ça a diminué. On parle de quoi? On parle que vous m'avez donné, donc vous m'avez mis chez moi 10 kilos, reste sur ça, 10 kilos de céréales, de blé à garder. Je les ai mis dans ma grange, mais dans ma grange il y a eu du va-et-vient pendant toute cette année. Je suis sans arrêt venu, genre des fois j'ai pris, des fois j'ai rajouté, des fois j'ai retiré. Donc en fait, combien je dois vous rendre? Est-ce que je dois vous rendre 10 kilos ou pas? La Mishnah va nous donner des quotas, des pourcentages de logique, c'est-à-dire des statistiques, de probabilité, de statistiques, où on sait que chaque espèce diminue de temps et temps annuellement. Tous ces quotas, tous ces coefficients sont purement suggestifs. Ça va être à la fin du partenariat, ça va être précisé. La Mishnah n'a parlé que à leur époque, selon le,
selon les conditions climatiques de leur secteur, en Israël spécialement. Si on se retrouve en Europe, ce sera différent. Selon la période de l'année, ce sera tout différent. Mais en tout cas, notre Mishnah va nous donner quand même des petites indications comment ça se passait en Eretz Israël. En Israël, à l'époque de la Mishnah. De combien ça diminue? Je vous fais d'abord tout de suite le plan de la Mishnah. Première partie de la Mishnah, on va donner d'abord des coefficients de chaque espèce, de combien diminue chacune. Et ensuite, on va entrer dans des petites finesses de discussion. Alors pour le moment, on va faire la première partie de la Mishnah, puis après on va réintroduire les discussions. D'abord, juste on va découvrir un petit peu les coefficients. C'est pour ça que c'est la feuille qui est accrochée derrière moi. Je me souviens que dans Baba Kama, j'avais dit que j'allais acheter un petit tableau. Je ne l'ai toujours pas acheté, donc on va se contenter d'une feuille. C'est pour ça que j'ai mis un zoom un petit peu plus gros aujourd'hui. Amafkid perot etzel chavero. Une personne pose en dépôt des fruits chez son ami. Arei ze yotzilo chesronot. Lorsqu'il viendra les récupérer, le gardien lui fera sortir les chesronot, ce que ça a diminué. C'est-à-dire, dans la mesure, on ne sait pas combien précisément ils ont diminué, donc on va évaluer, on va estimer combien chaque espèce, selon les conditions climatiques, est censée diminuer, selon la période de l'année aussi. La chitin ve la orez tisha chatzai kabin la kor. Alors, une petite introduction maintenant sur les mesures de l'époque. On a ici un kor représente 30 CA. D'accord? C'est des mesures de l'époque. Un kor avec un kaf. Pas le froid en hébreu qui se dit aussi kor, mais avec un kouf. Ça, c'est un kor. Un kour, en général, on dit un kour, mais bon, comme c'est ponctué et écrit kor, je ne vais pas m'entêter à dire kour, mais de manière générale, on dit toujours kour, je ne sais pas. Donc, un kor vaut 30 CA. Le volume de un kor, c'est 30 CA. Une CA, ça se convertit en 6 caves. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le rapport entre le corps et le cave. Donc un corps va nous donner 180 caves. D'accord? C'est la donnée de base. Étant donné qu'on va exprimer les pourcentages, la première partie des pourcentages, on va les exprimer en caves. On va comparer des caves par rapport au corps. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement converti que un corps correspond à 180 caves. Ça va nous permettre d'estimer précisément la diminution de toutes ces espèces. Donc maintenant, Arezei Yotzilo Chesronot. Il faudra donc, celui qui met en dépôt des fruits chez son ami, devra, lorsqu'il va le lui rendre, lui soustraire les Chesronot, ce que chaque espèce diminue, la constante que chacun est censé diminuer plus ou moins approximativement. La Chitin Vela Orez Tish'a Chatzai Kabin Lakor. Pour le chitin, le blé, vela orez pour le riz. Alors, il faudra diminuer tisha chatsa et kabin, 9 demi-caves pour un corps, donc pour 180. C'est-à-dire 9 demi-caves, ça va nous faire 4,5 caves sur 180, ça veut dire 2,5%. Donc le blé et le riz diminuent de 2,5%. Vous mettez 100, vous récupérez 97,50 au bout d'un an. Au bout d'un an, très important. D'accord? Au bout d'un an, c'est la diminution. Ensuite, la seorim vela dochan, pour l'orge, et le dochan, c'est le millet. Ne me demandez pas c'est quoi, c'est la traduction morifix internet avec Wikipédia. Le millet, ça c'est aussi le mille. Regardez c'est quoi sur Wikipédia. Vous verrez, c'est une sorte. C'est une sorte de céréale, mais je ne connais pas du tout. Enfin, d'accord. Ça a l'air de ressembler un petit peu au riz. En tout cas, donc, ces deux espèces-là, le seora et le dochan, et donc le millet, il faudra cette fois-ci diminuer tish à cabine, l'accord. 9 cabines pour un corps. Donc 9 cabines pour 180 caves. Ça va nous faire 9 sur 180, ça fait le double de ça, donc ça fait 5%. Je pense qu'il y a aussi une cause logique, je ne sais pas, je me permets d'interpréter, je ne sais pas si c'est vrai. À l'époque, comme ça, quand on avait étudié la Gemara, je ne sais pas pourquoi on était à cette conclusion, mais étant donné que je crois que dans l'orge, l'épi d'orge, il a une traînée comme ça, des, je ne sais pas comment ça se dit, des cheveux, des poils.
beaucoup plus longs. Donc vous imaginez, si on les garde pendant un an, ça sèche, ça tombe, ça fait nettement diminuer le volume, beaucoup plus en tout cas que le blé, je ne sais pas si c'est la raison. En tout cas, ça se comprend, ça s'explique comme ça. Peut-être qu'il y a plus d'humidité à l'intérieur, donc ça s'assèche plus. Ou tout simplement, je préfère pas en parler, on va attendre un petit peu. D'accord, on s'arrête là pour le moment. Donc pour l'instant, on a appris la quantité, donc la diminution du blé et de l'orge qui sont de 2,5%, du blé et du riz qui sont de 2,5%, et de l'orge et du millet qui sont de 5%. Ensuite, on continue. La kousmine ou les zera pishtan, chaloche, c'est in la kor. Regardez là. Kousmine, c'est l'épeautre. Ou les zera pishtan, c'est des graines de lin. Alors la diminution chez eux, ce sera de 3 séines. On ne parle plus de cave. On parle de séines. 3 séines pour le corps. Ouais, ça veut faire 3 sur 30, 10% du volume qui diminue par an. Ok ? Ça, c'était la kousmine de l'ozer à Pishtan. Charosh séine, d'accord. Et la Mishnah conclut, on nous dit, attention, Akol lefi hamida, Akol lefi azman. Je t'ai donné une mesure pour un corps, pour un an. Maintenant, sois assez futé, calculateur, pour déduire la diminution au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, à Kol Lefi Azman, ou bien à Kol Lefi Amida. Tout dépend aussi de la mesure que tu as mis. C'est-à-dire, je te donnais la mesure pour un corps. Si tu as mis 5 corps, eh ben, tu prends le même coefficient et tu diminueras. Donc, tu as mis un corps, tu diminues 2,5% de un corps. Donc ça va nous faire, d'accord, calculer tout seul. Et si jamais tu as mis de 10 corps, et ben tu devras diminuer la même quantité mais x10, parce qu'on fonctionne en pourcentage. Toute cette dernière partie, c'est l'introduction pour la discussion qu'il va y avoir tout de suite, et on commence par la faire dans les mots. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il n'est pas d'accord. Tu m'as dit de le faire à Kol Lefi Hamida, proportionnellement à la mesure que tu as fait rentrer, donc... Si tu as mis un corps, tu vas me diminuer, d'après Tanakama, d'après le premier avis, tu diminues donc 4,5 caves pour un corps. Donc si tu as mis 10 corps, tu devras diminuer 45 caves. D'accord ? Parce que c'était 10 fois plus. Ouais, comme ça c'était l'avis de Tanakama. Rabbi Yochanan ben Nouri n'est pas d'accord, il te dit mais non. La diminution des céréales, elle se fait à cause des souris. Or, les souris, vechi. Maerpat la hen la achbarin, v'alochlin ben meharbe ou ben mikim'a. Qu'est-ce que ça peut leur faire aux souris s'il y avait un corps, ou s'il y avait 10 corps, ou 100 corps? Une souris qui a envie de venir manger, elle va manger une quantité de blé, elle va se gaver et elle va s'en aller. Elle ne va pas rester ici en train de manger plus parce qu'elle va voir qu'il y a plus. C'est quoi cette histoire? Donc, les quotas qu'on t'a donnés ne sont que pour un corps, mais ça ne change rien. Si après on va mettre 10 corps, les souris mangeront la même quantité. Tu diminueras donc cette quantité-là que pour le premier corps, et les 9 autres, c'est sans diminution. C'est-à-dire, si je veux exprimer ça, on va illustrer un petit peu mieux. Non, d'abord on le fait dans les mots. Vechi maer pat la'en arbarin, qu'est-ce que ça peut leur faire aux souris? Vealo ochlin ben meharbe ou ben mikim'a. Qu'est-ce que ça peut leur faire s'il y a 10 corps ou s'il y a un seul corps? Les souris, elles, ne mangent ben merbe, qu'il en ait beaucoup ou qu'il en ait un petit peu. D'accord? Vous laissez un paquet de blé par terre. La souris va venir, va manger la moitié du paquet. Si vous aviez mis deux paquets, alors quoi? Elle serait venue manger la moitié de chaque paquet? C'est quoi cette histoire? Elle vient, elle mange ce qu'elle a envie de manger, elle ne va pas calculer, elle va dire non, mais je vais lui laisser le pauvre, il va trop tirer la tronche quand il va revenir et qu'il y aura moins de blé. C'est pas des calculs qu'elle fait, la souris. La souris, elle vient, elle mange, donc les quantités qu'on t'a données, elles sont pour un corps, parce qu'on estime qu'une souris mange cette quantité-là, et c'est tout. Peu importe si t'as mis 10 corps ou si même t'as mis même moins qu'un corps. Ça ira aussi dans la double tranchant. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan ben Nouri, si vous me mettez en dépôt 10 corps, La souris va venir, elle va toujours continuer à me manger 4,5 caves. Et d'ailleurs, comme ça je déduis, si vous venez et vous me mettez aussi en dépôt juste un demi-corps,
Alors, je dirais que la fourmi aussi, la souris aussi, elle va venir me manger aussi jusqu'à 1,5 cave, mais elle va les manger en tout cas, elle ne va pas calculer combien il y aura de pertes pour chacun. D'accord? Donc, Valo Ochlin Ben Meharbe, Ben Mikim A. La souris mange la même quantité, elle mange selon la quantité, pas selon le pourcentage. C'est pas les impôts de l'État. D'accord? Valo Ochlin Ben Meharbe, Ben Mikim A. La souris mange, que ce soit de beaucoup, que ce soit de un petit peu, Kima, c'est en araméen, ça veut dire un petit peu. Et là, non, donc il faut dire, il ne lui sort, il ne les diminuera. Les chesronot, donc ce que le volume diminué, que pour le premier corps uniquement et pas pour le reste. C'est clair? Ça, c'était l'avis de Rabbi Hanan Ben Nouri. Peut-être qu'on explique tout de suite l'avis de Chachamim. Et Chachamim, qu'est-ce qu'il pense? La Gemara nous rapporte deux. La Gemara rapporte une chose et Tosot rapporte l'Yerushalmi qui dit autre chose. Et qui dit une autre raison en réalité. C'est en fait, les deux sont vrais. Il donne une réponse face à Rabbi Yochanan Ben Nouri et en plus, là, il pense une raison beaucoup plus profonde. Tout d'abord, pour répondre à Rabbi Yochanan Ben Nouri, il dit non, c'est faux ton histoire. Rabbi Yochanan Ben Nouri, le facteur de diminution n'est pas que les souris qui mangent, il y a aussi autre chose. Il y a le vent qui vient, qui souffle et qui en emporte. Il y a le fait que ça s'assèche. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que finalement, on a donné une constante et tu te fies à cette constante, quelle que soit la quantité. Tu fonctionnes proportionnellement, tu calcules proportionnellement selon 4,5% qui avait moins ou qu'il y avait plus. Premièrement. Mais en réalité, le Tosot rapporte le Yerushalmi qui explique quelque chose d'encore plus profond. Réellement, même si la seule cause de diminution, ce sont les souris, et ben, si vous mettez 10 corps, les souris vont plus manger que s'il y avait un seul corps. Pour quelle raison? Là, je lui rapporte le lachon du Rojami, c'est rigolo. Danach bere reshi'eninu. Ces souris, ce sont des reshaim, des mauvaises. Kadhamian ibur, lo mistaihu de achle, el akarian, le chavrehen de achle imehon. C'est du pur araméen, c'est du langage du Rojami. Kadhamian ibur, quand il voit de l'abondance, ça ne suffit pas qu'ils vont se mettre à manger ce blé. Et la karyan, les chavrehen, ils appellent même leurs copines pour qu'ils viennent grignoter en même temps qu'elles. D'accord? Donc en fait, c'est l'avis de Chachamim. C'est pour ça que selon Chachamim, on fonctionne proportionnellement 2,5%, quelle que soit la quantité. Et tu ne vas pas me donner une constante de diminution pour un seul corps, peu importe combien il y avait en réalité de corps. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan Ben Nouri. Maintenant, on continue la Mishnah avec un troisième avis. Délicat. Il y a une petite discussion comment l'interpréter. On va se fonder uniquement sur le Mechet Shlomo qui rapporte le Nimuke Youssef. D'accord? Rabbi Yehuda Omer. Imaita Mida Merouba. Rabbi Yehuda vient et nous dit. Je l'interprète directement en me fondant sur le Nimuke Youssef. Donc, Rabbi Yehuda pense comme Chachamim. Il faut fonctionner proportionnellement. Mais cette proportion n'est pas gardée indéfiniment. À partir de 10 corps, je considère qu'il n'y a plus de diminution. C'est-à-dire, on a parlé de 4,5 caves pour un corps. Donc pour deux corps, 9 caves. Pour jusqu'à 10, ça va nous faire 45 caves. Mais à partir du 11e corps, on ne va pas continuer à rajouter maintenant 45 plus 4,5, donc 49,5 caves. On ne va pas diminuer 49,5, mais on va rester sur la constante. Il n'y aura même plus de constante. On ne diminuera plus rien. Vous allez me dire quoi? Pourquoi il n'y a plus de diminution? Réponse, il n'y a plus de diminution. Pourquoi? On va parler en réalité que on a fait entrer la récolte quand elle était encore en été, et donc elle était sèche. Et puis ensuite, il y a eu l'hiver et ça a gonflé. Donc, il est vrai que, effectivement, les souris, différentes causes naturelles, sont venues et ont diminué un petit peu, donc de 2,5% ou de 5% le volume. Mais malgré tout, quand l'hiver arrive, alors toutes ces céréales se remettent à gonfler un petit peu. Et donc, au bout de 10 corps, on va considérer que le volume récupéré en gonflant va compenser le manque des souris et on ne diminuera plus rien. On fait ça dans les mots maintenant. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit Imaita Mida Meruba. Si il a mis en dépôt une Mida Meruba, une grande mesure. Le Bartonora va apporter 10 courines.
discord. Alors, il ne lui soustraira plus du tout de volume diminué. Pourquoi ? Parce que toutes ces céréales sont au contraire en train de gonfler désormais. À partir de 10, c'est un peu délicat parce qu'on va se retrouver avec deux courbes. C'est-à-dire, si tu me dis qu'à 10, on a comblé de le manque, donc à 5, on a quand même partiellement comblé le manque, mais il ne rentre pas dans ses considérations. C'est un avis assez difficile à comprendre, mais bon, on se contente avec de comprendre les mots tels qu'ils sont écrits. On a quand même compris un beau pourcentage de notre Mishnah. Et donc Rabbi Yehuda en fait se fonde sur l'avis de Chachamim qui dit avec la constante de 4,5 par corps, mais quand tu atteindras 10 corps de dépôt, je considère que tu as compensé le manque. On fait à présent le Barthé Mora. Amafkid Perot Etzel Chavero. Donc on s'apporte sur la première partie de la Reisha qu'il a mis des fruits, donc des céréales, en dépôt chez son ami. Le Barthé Mora nous précise Ve Irvan Anifkad Im Perotav. On parle du cas où le gardien les a mélangés, le nifkad, donc les a mélangés, irev, mélangés, imperotav, avec ses propres fruits. Vaya mistapek mehen, et que durant toute l'année, chaque fois il partait, il l'utilisait, un petit peu il l'utilisait, il consommait. Ve'eno yodea shiurma she'achal. Et puis maintenant il est incapable d'évaluer concrètement de combien sa céréale a diminué, est-ce que c'était une année plus sèche que d'autres, plus humide que d'autres. Alors, la Mishnah nous donne une constante. Ksheba l'arzira niotzilo chesronot. Quand il viendra, l'autre, le dépositeur, celui qui a déposé, d'accord, celui qui a déposé, le propriétaire des céréales, lorsqu'il viendra les récupérer, niotzilo chesronot, il devra lui soustraire le volume diminué. Ifrod kama shehem regilim l'arson. Il devra diminuer. Soustraire donc combien chaque espèce a l'habitude de se diminuer, de perdre de son volume. Et donc, premier exemple, c'était Tisha Hatzai Kabin l'accord, 9 demi-caves pour un corps. Alors, le Bartanga nous pose ici le rapport entre les deux. Un corps, Shloshin Sein, un corps c'est 30 CA, VACA, Shisha Kabin, et donc là CA c'est 6 caves, donc c'est ça. Un corps c'est 30 CA, et une CA c'est 6 caves. Akol Lefi Amida. Alors maintenant, c'est sur la fin de Tanakama, l'introduction à la discussion. Akol Lefi Amida, ken l'école corps va corps, tu devras pour chaque corps diminuer proportionnellement ces quantités que je t'ai posées, 2,5, 5 ou 10. D'accord ? Et Akol aussi Lefi Azman, Shinichan Beyado. Tout dépend aussi du temps, de la quantité, de le temps pour lequel il les a laissés chez lui. L'école Shana Veshana Yaniachlo Kach. Pour Oyenakel Okar. Pour chaque année passée, il devra lui soustraire cette même quantité. Donc 2,5 par an et par corps. D'accord ? Au bout de 2 ans, tu diminues 5% et ainsi de suite. Ma'erba. Alors maintenant, on se rend dans la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui nous a dit Ma'erbat le oulach barim. Kach ochlim mimida mu'etet kmo mimida miruba. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Tanakama, de me dire de diminuer proportionnellement au nombre de corps posés ? Quoi ? Lorsqu'elle, la souris arrive et qu'elle veut manger, alors, car ochle mimida mu'etet, kemo mimida miruba, elle décide de manger d'une petite mesure la même quantité que d'une grosse mesure. Tu me dis, toi, de diminuer proportionnellement. Pourquoi ? Lorsqu'elle va voir plus de un volume plus grand de 3 corps, alors elle va se dire, ah, cette fois-ci, je vais manger plus aujourd'hui. C'est pas logique ce que tu dis. Et donc, il car, tisha chatzai kabid leshana, ben le corps, ben la sarakourin, il devra diminuer uniquement 9 chatzai kabin, donc 4,5 caves, quelle que soit la quantité déposée, si c'était un corps ou même 10 corps, tu diminueras toujours la même quantité et pas le même pourcentage. Imaita mida meruba. Donc maintenant, ça porte sur l'avis de Rabbi Yehuda, le dernier avis qui fait entrer maintenant un nouveau paramètre. Sheifkid etzlo harbe. On parle du cas où il a mis en dépôt beaucoup. Mais asara kurim ou le mala, à partir de 10 corps et au-delà. Lo yotzilo chisronot, il ne diminuera plus rien du tout. Pourquoi ? Mipne shehen motirot. Parce que ces céréales ajoutent, donc grossissent, prennent du volume. Shebimot agoren, parce que à l'époque des granges, chez mafkidim achitim, quand on fait entrer le blé, yaveshim, les grains de blé sont secs. Ou bimot agshamim,
Et pendant les jours pluvieux, donc de l'hiver, Kshemachzir Nofrot, quand il va les lui rendre, Nofrot, elles vont gonfler, prendre du volume. Ou Bachelatach Barim, Enan Nersarim Kolkach, les Cholkor Vakor. Et par le fait que les souris mangent, elles ne vont plus diminuer, elles vont plus faire diminuer le même pourcentage pour chaque corps et corps. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 10 corps, alors là, les souris cessent de manger. Ça veut dire, si tu as 20 corps, 100 corps, on ne va pas se dire que chez toi, tu as spécialement une épidémie de milliards de fourmis, c'est pas de souris, c'est pas logique. Il y a une certaine quantité de souris, et à partir de 10 corps, je suppose que, c'est tout, les souris, elles ne vont pas plus manger à partir de 10. Donc il fait un petit peu une sorte de compromis entre Tanakama qui dit que tu fais proportionnellement et Rabbi Yochanan ben Nouri qui lui dit non, tu calcules rien du tout. Lui te dit écoute, passé 10, je suis d'accord avec toi Rabbi Yochanan ben Nouri, que finalement, même si premièrement les souris vont cesser de manger et en plus de ça, ça va gonfler de l'autre côté, donc, donc ça fait la contrebalance et tu diminues plus rien. Découlé Aïlo Achle Achbarim à Sarakourine. Autant les fourmis, les souris ne vont pas manger à partir de 10 corps. Ilkar, Nefichato, Mashlemet, les Mashach, Barim, Ochlim. C'est pour ça que Nefichato, ce que ça a gonflé, ça complète, ça compense les Mashach, Barim, Ochlim pour ce que les souris mangent. Ven alacha, loke Rabbi Yehuda, loke Rabbi Yochanan ben Nouri, la alacha n'est pas fixée ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais dans le Bartanoa qu'on conclut, de kol ha-shiurim alalu, toutes les mesures évoquées, c'est be'eret Israël, bimei atanaïm. C'était en Eret Israël, en Israël donc, et à l'époque des Tanaïm. Aval bishar ha-ratzot, ou bismanim alalu. Mais dans les autres terres, dans les autres pays, et à notre époque, akol levi macherigilim azraim lechaser. Tout dépend combien chaque espèce de céréales a l'habitude de diminuer Beota Medina ou Beotozman dans chaque pays et à chaque époque. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov. C'est là.